Donc maintenant, on va essayer de faire un semi en terrine. Le semi en terrine est pratiquement plus employé en horticulture. Pourquoi? Parce qu'il a laissé la place à d'autres techniques plus efficaces, plus rapides, qui est le semi en plaque alvéolée. Alors pourquoi vous apprendre le semi en terrine alors que cette technique est abandonnée par la plupart des horticulteurs? Et bien parce que si on est horticulteur, même si on achète des jeunes plants à des multiplicateurs, il reste quand même intéressant sur certaines espèces à réaliser le semi en terrine. Le semi en terrine est maintenant très employé quand on est un petit horticulteur sur des plantes comme les œillets d'Inde ou comme les tomates. Alors comment on procède? On va remplir, donc ça on appelle ça une terrine. On a ici, on appelle ça une réglette, une batte, et on a besoin également d'un tamis. On va utiliser un substrat qui est dit un substrat spécial multiplication. Alors en quoi ce substrat est de multiplication? Il est caractérisé par la finesse du substrat. Donc c'est un substrat qui a été tamisé, il n'y a pas de grosses boulettes de tourbe ou de fibres. Donc c'est quelque chose de très fin. Il peut être, là comme on peut le voir là ici, avec de la perlite. Alors pourquoi on rajoute de la perlite? C'est souvent un élément qui évite l'excès d'eau, donc qui permet d'aérer le substrat et donc de le rendre un peu moins humide. Donc on sait très bien que sur les semis, l'excès d'eau peut engendrer la perte de la culture du semis qui est réalisé. Alors pour procéder, habituellement donc on a fait plusieurs semis, on va utiliser toujours le fond du tamis de la terrine précédente qu'on va mettre au fond. Alors si on devait faire l'exemple, il faut s'imaginer qu'en fait vous avez un restant qui est tamisé, et une fois que vous avez tamisé, en fait vous avez ce qu'on appelle un peu des éléments dits grossiers. Donc ces éléments dits grossiers, on les met au fond pour s'en débarrasser, en fait on ne perd rien, et après on va tout simplement donc procéder au remplissage de la terrine. Donc on remplit, on fait attention de bien émietter le substrat, il peut y avoir quelquefois quelques boulettes. Donc on les sent très vite à la main, on n'est pas obligé d'y passer 3 heures non plus. Donc le but, c'est vraiment de mettre du substrat qui soit émietté. Et on le remplit à ras-bord. Voilà. Une fois que j'ai rempli à ras-bord, je vais utiliser cette réglette. Alors cette réglette, elle a deux petits bords en fait. C'est fait pour faire un petit décrochage à l'intérieur. Quand à l'époque, on y mettait une plaque polycarbonate par-dessus pour augmenter la température quand on mettait ça en serre de multiplication. Alors au départ, on ne sait pas la quantité d'excédent de terreau qu'on a mis, donc on va prendre la surface la plus large et on va donc éliminer le surplus. Quelquefois, il faut le faire en plusieurs fois. Voilà, ça ne sert à rien d'y aller comme un gros bourrin. On y va délicatement et après, je vais prendre de l'autre côté et faire l'intérieur. Donc pareil, j'enlève forcément l'excédent, quelquefois il y en a tellement que je suis obligé de m'y reprendre à plusieurs fois pour revenir. Et on voit bien que quelquefois s'il y a des boulettes là de terreau, comme on peut le voir là ici, ça peut occasionner des trous dans la terrine. On voit le surplus qui est enlevé laisse quand même place à certains trous dans la terrine. Ici j'ai enlevé donc l'excédent, je vais donc utiliser maintenant ce qu'on appelle une batte. Cette batte, que va-t-elle faire? Elle va donc aplanir l'ensemble. Alors la poignée n'est pas là pour uniquement s'en servir telle qu'elle. Il est préférable d'employer ses deux mains et de faire une pression de chaque côté, une légère, hein, simplement, et on obtient quelque chose de plat. À partir de là, sur du semis de tomate, sur du semis d'œillet d'Inde, malgré la présence ici, on ne voit peut-être pas bien sur la vidéo, mais deux trous liés à la présence de quelques boulettes qui, en se déplaçant, occasionne des trouées dans le substrat, on est sur quelque chose qui est suffisant pour faire un semis de graines moyennes sans aucun problème. Si on devait être amené à faire un semis de graines fines, il nous faudrait absolument réaliser ce qu'on appelle un lit de semence. Un lit de semence, c'est-à-dire recouvrir quelque chose de beaucoup plus fin pour que ça corresponde en fait à la taille de la graine. Donc les trous qui sont ici ne sont pas gênants puisque les graines dites de tomates ou de poivrons ou d'œillets d'Inde sont des graines assez grosses, entre guillemets, et donc ça ne pose pas de problème. Par contre, pour des graines très fines, c'est impératif que d'utiliser un lit de semence. Donc on va prendre, là je prends un autre substrat parce que celui d'avant est un peu trop humide, donc du coup il est très compliqué à tamiser. Et donc je me mets au-dessus, je regarde légèrement en dessous, et je regarde ce qui tombe. Le critère pour savoir ce qui tombe, c'est en fait
m'aider de ce qu'il y a sur le bord. Quand je vois qu'il y en a un petit peu, il en manque un petit peu là-bas, on a assez de substrat qui a été déposé pour faire le lit de semences. Je repose ma plaque, ma batte, plus précisément. J'enlève le surplus de terreau qui est sur le bord. Une petite pression. Et j'ai un lit de semences qui est quasiment parfait. À partir de là, on peut donc estimer que la terrine est prête à être semée. Et principalement ici, on fera un semis à la volée. On n'est pas obligé de faire des semis à la volée, mais classiquement, c'est un semis à la volée qui va être réalisé. On va, avant de réaliser le semis, dégager son air. On ne réalise jamais un semis sur l'air de chantier où on remplit la terrine. Pourquoi ? Pour éviter d'avoir des graines qui vont se mélanger au substrat qui va être utilisé pour faire d'autres terrines et donc se retrouver en fait avec des graines qui vont germer dans les mauvaises terrines. Donc théoriquement, on travaille sur une autre aire, on va semer ailleurs. Donc on va procéder au semis. Théoriquement, à ce stade, il faut humidifier la terrine. Alors, soit on le fait avant, soit on le fait après. Il n'y a pas de meilleure solution. Le faire après, ça évite d'avoir de l'eau sur la table. Le faire avant, c'est quelque chose qui est déjà fait, au moins on est sûr de ce qui a été fait. En tout cas, il faudra, quoi qu'il arrive, apporter de l'eau dans la terrine. Alors, deux façons d'apporter cette eau dans la terrine. La première que je déconseille, c'est d'apporter de l'eau par le dessus. Pourquoi ? Parce que quel que soit le jet que vous allez utiliser, le jet va être trop puissant par rapport à la finesse du substrat qui est employé ici, donc vous allez faire des creux, des trous. Dans le meilleur des cas, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un brumisateur. Le brumisateur va, lui, ne pas faire de trous dans la terrine, mais il va être tellement fin en termes de gouttelettes qu'il faudra très longtemps avant d'humidifier la totalité de la terrine. Donc, on a développé d'autres techniques qui sont un peu plus longues, mais très efficaces, qui consistent en fait à faire tremper la terrine et donc à faire remonter l'eau par capillarité. Donc, on a des sortes de bassines dans lesquelles on dispose des terrines et l'eau remonte par capillarité en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure. On laisse remonter et qu'on voit une auréole un peu foncée sur le dessus. Ça veut dire que l'eau a commencé à remonter par capillarité. Et là, je peux vous dire que même là, la terrine, elle est très lourde. Et que la quantité d'eau qui sera apportée sera suffisante pour permettre la levée de la graine et pour subvenir aux premiers besoins de la plantule quand elle aura germé. Donc la deuxième solution est quand même la meilleure. Donc ici, on va réaliser le semis à la volée. Je vais utiliser une feuille Bristol. On peut utiliser ce sort de semoir, c'est moins efficace, mais c'est plus conventionnel. La feuille Bristol, c'est un format en fait A5 que j'ai plié en deux, suffisamment rigide pour pouvoir justement tenir la pliure. Je positionne des graines ici, j'ai mis en fait comme des graines fines. Et l'objectif, ça doit être de faire ce semis à la volée de façon le plus uniforme possible. À la volée, ça veut dire qu'on va semer de façon aléatoire, mais le plus équidistant possible. C'est-à-dire que il faut faire attention d'en mettre un peu de partout. Je ne dois pas être trop près. Si je suis trop près, ça va tout tomber au même endroit. Donc ça, c'est pas bon. Ça va faire des gros amas de graines au même endroit. Si je fais trop haut, je risque de me retrouver en dehors de la terrine. Donc il faut se trouver à peu près à 15 cm avec une feuille Bristol légèrement penchée et par ce mouvement droite-gauche, c'est-à-dire où on exerce en fait la force centrifuge, les graines qui sont massivement ici vont se déplacer vers l'extérieur de la feuille Bristol. Donc je vais d'abord faire les côtés, puis je me déplace. Vous voyez ? Voilà, je me déplace. Puis pour être sûr que le semis est bien fait, je vais croiser mon semis et je procède de la même façon. On voit bien les grains en train de tomber sur la terrine et il m'en reste même encore dans la feuille Bristol. À ce stade-là, donc, le semis est réalisé. Il faudra ensuite l'arroser. Alors l'arrosage pourrait se faire avant. Je répète, donc, pour qu'un arrosage soit efficace, on évitera d'arroser par le dessus parce qu'on risque de faire des trous dans la terrine et donc de tout abîmer. Pour éviter d'abîmer, si on doit arroser malgré tout par le dessus, il vaudra mieux utiliser un brumisateur, mais ça risque d'être très long pour obtenir la même quantité d'eau que si vous deviez arroser par en dessous, c'est-à-dire par capillarité. Donc le mieux, c'est encore de mettre dans une bassine où il y a de l'eau et d'attendre que l'on voit les premières auréoles foncées de substrat qui en fait vient d'être humidifié et qui est la preuve comme quoi la terrine est suffisamment arrosée.
Derrière, ça n'est pas fini. La dernière chose qui nous reste à faire, en fait, c'est recouvrir légèrement pour, en fait, maintenir l'humidité. Donc, soit on utilise du substrat fin, à nouveau. Donc, pareil, même critère que tout à l'heure. Je regarde ce qui tombe sur le côté. Voilà. Je vois qu'il y en a assez. C'est suffisant. Je fais attention après d'enlever ce qu'il y a sur les bords. Voilà. Et il ne me reste qu'une chose à faire. C'est devoir installer ici une étiquette avec le nom de l'espèce, de la variété, et le jour de la réalisation. Une fois que ça a été arrosé, une fois que j'ai mis l'étiquette, tout cela va aller en serre de multiplication. Je peux rajouter même un polycarbonate pour augmenter la température, pour que ça germe, pour que ça lève encore plus vite.